Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour ce petit GLG par en live sur Twitch. Mais on s'était promis à 16h d'ailleurs, 234 followers quand même. On a pris pas mal de followers aujourd'hui, attirés bien évidemment par mes nouveaux titres putaclic mais véridiques. J'ai un là qui regarde un peu, je suis une chaîne YouTube qui s'appelle Hugo l'Histoire. Et il parle de l'astronomie et tout. Et là, c'était la vidéo, c'était un truc galactique, tout. Le titre n'était pas du tout en corrélation, un peu comme l'avait fait AstronoGeek, ça veut dire mettre une image putaclic, un petit commandant putaclic, mais rien, aucun intérêt avec l'image. donc voilà, c'est vraiment du putaclic. Alors que nous, voilà, le but, le sujet sera vraiment traité aujourd'hui. C'est un peu le sujet du live. Je vous le rappelle, aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, l'émission est enregistrée en local et elle sera demain sur YouTube afin de jouir un peu. Ah oui, voilà, de jouir un peu de ce type putaclic. J'ai quand même bossé mon truc, j'ai quand même pas mal écrit pour vous raconter un peu cette histoire de youtubeur arnaque les marques. Je trouve que c'est assez racoleur déjà. Ensuite, j'ai quand même bien bossé mon dossier, ça permettra d'animer ce live et puis de demain de faire une vidéo sur YouTube qui sera certainement très racoleuse et qui pourra peut-être attirer du monde sur YouTube. On l'a vu avec les deux derniers JT du Geek qui avaient des titres un peu plus incisifs. J'ai vu, voilà, avec les deux JT du Geek, les derniers titres étaient un peu plus incisifs. Et c'est vrai qu'au niveau du trafic, ça s'est vachement ressenti. Donc il faut que le live du mercredi et les cadeaux de samedi, voilà, il faut qu'il y ait quand même, un peu de. Voilà. D'engouement et que ça puisse profiter un peu de YouTube pour que bah, généralement les vidéos YouTube font entre 1000 et 2000 vues sur entre 200 entre 300 et 2000 vues quoi, on dépend des vidéos, mais sur YouTube, et ça permettrait peut-être d'amener un peu plus de personnes à se dire ah, tout compte fait, Twitch c'est pas mal, il faut que j'y aille. Voilà, par exemple. Bon, bonjour à Goldorak, bonjour à Yannock, bonjour à City. Voilà. Bonjour à Sébastien. Bonjour. Tu fais dans le mauve. Dans le mauve. Ouais. Ben oui, j'avais envie de vous mettre un petit décor différent pour ce petit. Voilà, c'était du mercredi. Hein, voilà. Un peu comme si vous étiez chez moi. Voilà. Bonjour à Mikado. On se croit dans une boîte de nuit. Ah, c'est ça. Ben oui, comme vous n'avez plus le droit. Heureusement, chez nous, pas de geste barrière. Il y a l'écran, en théorie, on devrait être protégé. Pas de distanciation, pas de masque, pas de test Covid, pas de positif. On prend, tout le monde peut venir. T'as le Covid, t'as pas le Covid, tu l'as eu, tu l'as pas eu, t'y crois pas. Tout le monde est le welcome, bienvenue dans ce petit JT du Geek. Et vous êtes déjà 14 en ligne, hein, ça fait plaisir. Bonjour également à Jim, bonjour à Fred, bonjour à Michael, en examen blanc. En examen blanc, c'est-à-dire, c'est très cosy chez toi. Mais écoute, voilà, c'est mon nouveau décor et tout, voilà, on a fait un truc simple, mais voilà, mais efficace. C'est le but du jeu, voilà. Bah c'est bien, non mais c'est bien, je suis content, il y a un peu de monde. Voilà, c'est plaisir. Zappy, bonjour à Zappy, également. Oh là là, qu'est-ce que c'est bien. Ah c'est cool. c'est cool, il y a de plus en plus de monde sur Twitch. Ça fait, moi, personnellement, ça me fait trop plaisir, voilà. Déjà de vous retrouver un peu ce soir. Et ensuite, bah, voilà, il y a un peu plus de monde. On a atteint les 234 followers. Le dernier, c'est Lutin du Phénix. Donc, ça doit être Teddy, mon frangin. Donc, ça doit être les Lutins du Phénix. S'il passe par là, en live, en replay, bien le bonjour, frangin. Qu'est-ce qu'on a dernier? On a eu Rolls, Barlou, Eric Z, Cousin. C'est tous les trucs de la journée, là. C'est cool, là, c'est bien. Ça fait un peu de l'abonné et tout. C'est bien, c'est plaisir. Voilà. Nous aussi on est content. Eh ben écoutez, c'est un contentement partagé. Quand vas-tu recevoir les nouveaux traitements de Geekou, sa nouvelle herbe? Alors demain, demain, j'ai commandé du. Alors pourquoi ça s'affiche en haut là? D'accord, ok. Bah, apparemment, il y a possibilité. J'ai rajouté ça. Il y a possibilité de mettre super. Je sais pas ce que c'est. C'est le boss du stream. Voilà, apparemment, le boss du stream. Je crois que si vous envoyez. Alors, faudra peut-être si Shadow passe par là. Ah, bah oui, c'est ça. Voilà. Chaque fois qu'il y a des diamants, en fait, on a un boss du stream. Donc, c'est pour ça que ça a dû s'afficher. Et normalement, je pense que notre nouveau boss du stream, ça doit être Shadow. Merci beaucoup. Namasté. Wow! D'accord, ok. Ouais, c'est ça. Il y a bien. Il se passe bien quelque chose. On est bien d'accord.
Alors, j'ai commandé de. Comment dire du cannabis, mais tu sais, la version pas drogue, là, en thé. Donc, normalement, je la reçois demain. Je mettrai les photos sur Instagram si je la reçois demain. Mais normalement, ouais, c'est du thé, cannabis et tout. Je fais là que j'ai un patient, c'est ça, mais. Enfin, c'est du thé, en théorie, voilà. Je vais voir si je dors mieux. Si je dors mieux ou pas. Voilà. Ça nous fait plaisir de te faire plaisir. Ah, bah écoutez, c'était un plaisir partagé. 4 heures du mat, ça pique. Oui, bon, après, les mardis et vendredis, on est d'accord que c'est un peu tôt. Le mercredi et le dimanche, 16h, c'est quand même plus dans vos heures. Et après, le samedi, 10h du matin. Donc là, ça sera plutôt pas mal. J'ai eu confirmation pour les cadeaux. Sûrement, on parle tout de suite des cadeaux de dimanche ou pas? On va tout à l'heure, quand on posera la question. Il y a Eric Z. Je connais pas. Je sais pas qui c'est. Diamond Art Forever. Oui, bah, diamant, plaisir d'offrir, joie de recevoir. Mais hein, c'est vrai qu'il y a une latence entre le son et l'image. Il y a une petite latence. Et ça vient de mon skin. Ça vient de mon skin. Je sais pas qui me fait ramer. Il y a un de tout ça qui me fait ramer. Donc il faut que je refasse des essais demain. Puisque je me suis rendu compte que quand je passe, par exemple, avec le... Ici, avec le JT du Geek, il n'y a pas de latence du tout. Et il n'y a pas de musique du tout. Voilà, donc là, et là, quand on remet là, tu vois, il y a re de la latence. Alors peut-être que, attends, ça vient de la musique, ça peut, hein, tu vois. Non, c'est la musique, ouais, je peux pas le... Elle est où la musique? La musique, elle est, la musique, Gami document, non, c'est le fond. Elle est où la musique? Bon, faudra que je fasse des essais. Je me suis pris un peu trop tard. Là, j'ai enlevé la musique. Alors, j'ai enlevé la musique, voir si je reviens ici et je reviens là. Non, il y a toujours de la latence. Il doit y avoir un problème dans mon skin. Ah! Il y a un peu moins de latence, mais je sais pas. Faudrait que je trouve qui est le criminel. Le criminel. Carte mémoire. On va mettre le son. Voilà. Donc, faut que je trouve. Il y a un problème de latence. Bon, on résoudra ça la prochaine fois. Il y a un décalage. Ton overlay doit être trop lourd pour Streamlab. Là, il n'y a plus rien. C'est ça. C'est vraiment... il faut que je trouve parce que... En fait, ça vient vraiment de ma page. Puisque quand je mets sur un autre skin, il n'y a pas de latence. Mais quand je mets sur celui-là, il y a une latence. Donc, ça vient soit de mon fond. Il faut que je les désactive un par un. Et que je les réactive pour voir qui me fout de la latence. Voilà. Qui... À mon avis, il y a un qui met du temps à rafraîchir. Je ne sais pas si ça vient de Tipeee ou ça vient de Twitch. Mais voilà. Je trouverai. Je trouverai. Bon. Quelle heure il est? 22h10. Je vais vous parler des cadeaux de dimanche. Alors, concernant dimanche, il y aura déjà deux cadeaux sur le troisième, je suis en attente. Alors, le premier cadeau, ça sera une caméra IMU 2,5. Non, une caméra IP motorisée IMU 2,5K. La Ranger, mais une autre. Eh bien, hein, un truc à pas très cher, mais bien. Petite caméra motorisée, donc là, c'est d'accord, c'est IMU qui va vous l'envoyer. Le deuxième, ça sera bien évidemment un chèque cadeau pour dimanche, là aussi. Et le troisième, alors, normalement... ça sera Veger. Veger qui m'a proposé de vous envoyer, par exemple, cette batterie. Alors, il y a deux problèmes avec cette batterie. Un, elle ne sort qu'au mois de février. Donc, soit on la fait gagner dimanche, mais elle ne sera envoyée au gagnant qu'à partir du mois de février. Parce que moi, c'est la mienne, je ne vais pas vous l'envoyer et qu'ils n'en ont pas. Soit, en attendant, parce qu'elle voulait vraiment le mettre en relation avec la sortie. Soit elle me propose autre chose pour dimanche, une autre batterie externe avec chargeur et tout, et on fera gagner celle-là au mois de... on fera gagner celle-là au mois de février, voilà, dans un des lives du mois de février. Donc je suis en train de voir, donc il y aura déjà deux cadeaux, c'est sûr, peu de trois, certainement, après il faut juste que je voie avec eux, ou sinon j'ai une autre marque, je suis avec en deal avec King7 aussi pour faire gagner les lunettes. Donc il y aura soit IP... bon cadeau et lunettes, soit caméra IP, bon cadeau et caméra et batterie externe, soit celle-là que je vous ai testée qui vous a beaucoup plu, soit une autre, soit les lunettes. Voilà. On va voir comment ça va se passer, mais mercredi, il y aura du cadeau. Il y aura du cadeau. Et ce qui est pas mal, c'est que bah, la batterie, la caméra IP fait 30 ou 40 balles, je crois, de mémoire. Attends, j'ai mis dans mes favorites. Oui, je l'ai mis comme ça dans mes favorites. La IMU, ah non, j'ai juste mis le lien, d'accord, bah, j'ai tout merdé là. La IMU, j'ai juste mis le lien, d'accord, donc elle marche pas. Elle fait 30 ou 40 balles, je crois, déjà sur AliExpress, pas mal. La batterie fera au moins 30 ou 40 balles, pas mal. Et le bon d'achat fait 10 balles, lui, de toute façon, il n'y a pas de surprise. Donc ça fait déjà un petit panier. Voilà, ça fait déjà un peu plus de cadeaux. Donc je commencerai à teaser vendredi, certainement.
Peut-être même dans le titre du JT du Geek. Et puis après, bah, dimanche, il y aura un peu plus de cadeaux. Ça fait plaisir. Je suis convaincu qu'il pourrait y avoir un peu plus de monde. Dimanche à 16h. Dimanche 16 à 16h. Oh, c'est bien ça. Fais voir. C'est bien ça. Dimanche 16 à 16h. Très bien. Facile à se rappeler. Dimanche 16, 16h. Heure France, Paris, Champs-Élysées. Champs-Élysées. Bon. C'est bon, il est revenu. Greg, concernant dimanche, j'ai une idée de jeu. Faudra qu'on en discute en vocal. Mais écoute, quand tu veux, tu m'as dit ça dimanche dernier, que tu avais une idée. C'est vrai que je t'ai pas relancé, je pensais que tu allais m'écrire. Puis après, on a oublié tous les deux. Voilà, donc tu peux directement mettre en vocal et c'est bien. C'est bon, je veux bien attendre février. Pour gagner un cadeau, il faut te faire un chèque. Il faut faire... il faut s'abonner. Il faut follower. Et bien évidemment, après, si tu veux envoyer des diamants, en fait, encore une fois, c'est vraiment tout automatique. Hein. Tout le monde pourra participer si vous followez tout. Après, ils gagneront qui gagneront. Hein. C'est pas moi qui décide. C'est tout automatique dans le jeu. Et Courmi, enfin, Shadow, va me proposer peut-être un autre jeu, un challenge et tout. On va voir comment on va passer. Mais bon, voilà, vendredi, enfin, dimanche à 16h, dimanche 16 à 16h, il y aura 3 cadeaux sûrs. Après, le premier, on sait la caméra, le deuxième, on voit un chat, et le troisième, ça sera soit les lunettes, soit une batterie. Alors voilà quoi. Ça fait plaisir parce que ça montre crescendo. Toutes les marques, et j'ai les marques qui me répondent merci pour cette opportunité. Ça veut dire, bon, après les vidéos, on les fera en live. Bien évidemment, on les enregistrera en local et je les mettrai sur YouTube hein, le lendemain pour tous ceux, les 1000 ou 2000 qui regardent la vidéo, se disent ah merde, on a quand même loupé des cadeaux faciles quoi. Voilà, pour nous rejoindre et que ça serait bien qu'on puisse arriver à. Petit millier de followers là, déjà si on dépassait les 500 followers, ça ferait sérieux. Ouais. Bon, un cadeau, je t'appelle vendredi courant après-midi. Courant après-midi chez toi, oublie pas que j'ai 6 heures de décalage horaire hein, chez moi. Donc c'est après-midi pour toi, ça peut vite faire tard pour moi. Voilà. Moi je blague, tu es notre cadeau. merci beaucoup. Bon, vous êtes 19, pas mal. 19 en ligne. On attend le 20e pour commencer le truc ou pas? Allez ou pas? Bon, je ne lis plus vos commentaires pendant un petit moment. Je vous parle un petit peu de ces youtubeurs qui arnaquent les marques. Là, je vous lance un peu de pub pendant que je bois. Voilà. Ok. Voilà, donc si vous avez eu la chance et l'honneur d'avoir un peu de pub, profitez. Dites-nous ce que c'est. Et apparemment, personne ne voit la pub. Apparemment, pendant le replay, il y a des gens qui voient de la pub, mais ou pas. Alors, ça laisse une petite introduction, le temps de se chauffer un peu. S'il y a de la pub, vous m'entendez pas dire pas une cochonnerie. Puis s'il y a pas de pub, ben en fait, ça marche pas. Comment ça marche pas? Arrêtez. Mais non, pub. Ah, t'as eu quoi comme pub? Dis-nous, parce que comme personne ne la voit, dis-nous ce que t'as eu comme pub. Dis-nous, comme personne ne la voit, tu es peut-être l'élu. Tu as peut-être eu la chance d'avoir une pub. C'est le seul live où les mecs ont de la chance d'avoir de la pub tellement personne n'en envoie. Bon. Ou pas. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Non, plus bonne année, c'est fini maintenant. Si, il paraît que ça marche chaud. Voilà. Donc, j'ai plus le droit de faire de pub pendant 6 minutes. Bon, allez, c'est youtubeurs qui arnaquent les marques. Alors, si vous êtes venu pour avoir des noms, vous pouvez partir tout de suite. Je ne vous citerai personne parce que on m'a cité personne. Donc je n'ai rien à vous répéter. Bon, on a cité deux trois, mais je ne peux pas vous dire. Mais ça devient comme ça une génération. Alors, on va parler un peu de YouTube parce que alors peut-être alors avant de jeter la pierre, on va poser un peu le dossier. On va dire bah, peut-être c'est un peu de ma faute. Déjà, et puis c'est de la faute de beaucoup de monde, où devenir youtubeur, c'est quand même devenu un petit peu le nouveau fantasme de beaucoup de personnes, le rêve, l'idéal et tout, puisque beaucoup ont été attirés à la base pour devenir sur YouTube, à part ceux qui font du streaming ou des choses comme ça, mais on parlait surtout des reviewers, hein, soit tech, smartphone ou cuisine ou ce que tu veux, mais le but c'était quand même un peu pour tous ces youtubeurs de recevoir des produits gratuits. Voilà. Oh là là, si je suis youtubeur, les marques vont m'envoyer des produits gratuits. Enfin bon, dans la vie, il n'y a rien de gratuit, même pour les youtubeurs, puisque le deal, c'est les marques envoient des produits gratuits aux youtubeurs, mais en échange, tu dois faire une vidéo sur ta chaîne YouTube. Pendant un moment, ça marchait avec les blogs. Alors, quand on envoyait un produit, tu faisais un article sur ton blog, mais comme l'aurait dit un jour un
un peut-être pas assez célèbre youtubeur qui disait que voir les produits en photo c'est bien, mais les voir en vidéo c'est mieux. Bon bah voir un article écrit sur un blog ou un site web, c'est pas mal, mais les gens ont quand même préféré voir des reviews de produits en vidéo, parce que les voir en vidéo c'est mieux. Pareil, pareil, voilà. Donc attiré par l'odeur alléchée, bah beaucoup se sont dit tiens, je vais devenir moi aussi youtubeur. Et puis, je vais recevoir des produits, je vais faire des vidéos et tout, le monde va être la vie va être un petit peu incroyable. Ou pas. Bon, maintenant il faut parler des profils de ces jeunes youtubeurs flous. Voilà, vous reconnaîtrez la dédicace. Si vous trouvez la dédicace, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Qui sont ces jeunes youtubeurs flous et insolents? Donc en fait, à la base, je sais que j'en ai connu pas mal de youtubeurs, c'était soit bah, des personnes en période d'inactivité, chômage ou arrêt de travail et tout, qui sont dit, tiens, j'ai un peu rien à faire, je vais me lancer un peu sur YouTube, ça sera sympa. Des étudiants, beaucoup, hein, des étudiants qui sont dit, voilà, ou des gens qui vivaient chez maman, papa, donc là, c'est quand même un peu plus facile. Ou alors, bah, des gens qui étaient actifs, donc avaient une vie sociale, mais qui se sont dit, tiens, j'ai un peu de temps libre et je me lancerai bien dans cette nouvelle passion, voilà, au lieu de faire le bricolage, je vais me lancer dans les vidéos YouTube. Et ça permettra bah, voilà, d'avoir une notoriété, truc. Et peut-être après, le but, beaucoup pensent et pensaient et pensent encore, qu'il y a peut-être un business model à mettre en place. Donc, vive de YouTube. Donc, donc avant de vivre de YouTube, parce que tu dis, ouais, alors si je fais des reviews, peut-être après je pourrais en vivre. Bon, le problème, c'est qu'avant d'en arriver là, il vous faudra un de l'audience, donc des gens qui regardent un peu vos vidéos, et du trafic. Hein, forcément, pour pouvoir demander un peu d'argent aux marques, soit en demandant un petit billet. Alors, je sais que ça peut être 10, 20, 30 balles, voilà, pour dire, allez, pour le travail et tout, soit une centaine d'euros, soit un petit millier d'euros, hein, pour certains gros youtubeurs, soit jusqu'à 10 000 ou 15 000 euros, pour vraiment les très très gros youtubeurs, là, vous avez une grosse influence, et les marques se disent, bah, plutôt que de mettre un spot TV à, je sais pas combien de milliers à seconde, si vous avez 1 million d'abonnés, vous faites peut-être 100 ou 200 000 vues, ça peut être intéressant pour eux de lâcher un billet assez conséquent. Donc, les étudiants, bah, ça c'est intéressant, c'est quand t'es étudiant, malgré tout, t'as du temps. Donc tu peux te lancer un peu sur YouTube. Bon, si tu vis chez maman, en théorie, t'as pas de frais, pas de charges, nourri, logé, blanchi. Donc, en théorie, t'as aussi, il te reste plus qu'à trouver un peu de temps. Bon, après, il y en a qui vont se lancer dans un projet, qui vont dire, oui, alors je vais me lancer sur YouTube, et puis à partir de combien de temps, voilà, il faudrait que je fasse de vues, je vais pouvoir, je vais au début, je vais travailler à l'œil, puis après, les marques, elles vont me payer, après, je vais gagner de l'argent, et après, je vais devenir un gros YouTuber, puisqu'il y a pas, il y a quand même, malgré tout, il y a peu d'élus, mais il y a quand même pas mal de YouTubers qui en vivent. Il y a beaucoup qui en vivent pas, mais voilà. Et puis après, il y a soit par passion, où tu te dis, bah écoute, c'est ma passion, j'en ferai un petit peu le soir, j'en ferai un peu le week-end, ça va être trop génial, je vais recevoir des produits gratuits, je vais faire des vidéos, et ça va être vraiment génial. Mais après, faire des vidéos de produits, puisque j'en fais beaucoup, c'est chiant. Bah, faut pas se mentir, c'est chiant. C'est chiant, et en fait, c'est... je vais pas dire que c'est compliqué, mais faire des reviews de produits, c'est devenu un peu plus compliqué maintenant, puisque le niveau est vachement élevé. Quand vous regardez la plupart des youtubeurs, que ce soit des gros ou des petits, le niveau est vachement élevé, hein, au niveau de la qualité, au niveau du format et tout. Et faire des produits, bah, ça prend du temps, malgré tout, et de faire n'importe quel produit, je sais pas, ne serait-ce qu'une batterie externe comme ça à la con, hein, qui n'est pas excessivement cher, bah, la batterie, moi j'ai estimé le temps, test du produit, bon ça n'a pas 30 minutes, mais bon, en théorie, vous avez compris, le temps de faire le déballage, machin, ça va bien prendre 30 minutes de votre vie, de l'essayer, de le brancher, de le charger, et tout comme ça. Faire le script de votre projet, bien, moi j'ai mis 15 minutes, faire les plans, faire des trucs un peu sympas, 30 minutes, faire la voix, faire une voix un peu sympa, machin, faire du montage, alors la voix 30 minutes, le montage 30 minutes, et après upload, description, vignette, et bien évidemment la promotion de la vidéo, parce que tu attends que la vidéo fonctionne sur YouTube comme ça, au petit bonheur, la chance, bah, des fois, petit bonheur, il a de la chance, et des fois, petit bonheur, il n'a pas plus de chance. Donc il faudra quand même faire un peu la promotion sur les forums, sur les sites web, soit sur ton blog, sur ta page Facebook, etc., etc. Donc en gros, faire une review d'un produit, moi j'estime à une moyenne de 3 heures. Sauf si tu filmes tes mains et que tu fais tout en one shot. Alors, je ne jette pas la pierre à ceux qui le font. J'ai commencé comme ça. Ça veut dire, bah, tu dis, oh, je prépare mon script, tu testes le produit, tu prépares ton script, et après, tu te mets derrière la caméra et tu testes le truc. Voilà, alors ça, c'est une caméra, un truc. Blablabla, tu lis ton script, tu fais ta vidéo, elle est faite en une prise, tu l'upload. Ça prend un peu moins de temps, mais malgré tout, à part le niveau YouTube-esque qui est pas génial et tout par rapport à ce qui se fait sur Internet, ça prend quand même beaucoup moins de temps. Et
mais voilà, tu peux l'uploader directement sur YouTube et tout, c'est faisable. Encore une fois, chacun voit sa chaîne YouTube comme il a envie de la faire. Encore une fois, le but d'une chaîne YouTube, c'est de faire quelque chose qui vous plaît et surtout quelque chose que vous auriez envie de voir. Si t'as envie de voir un mec qui filme ses mains et qui te présente une batterie externe, bah, en théorie, pas de souci, hein. Il fait l'info pour tout le monde. Donc, pour faire une vidéo, malgré tout, faire une n'importe quoi, une review, il te faut du temps et il faut de la motivation. Voilà. Et c'est là, en fait, qu'on va voir. Parce que pour faire une review, en fait, si c'est ton taf, bah même faire ton taf, c'est moi, c'est mon taf, c'est chiant. Des fois, j'ai pas envie de faire une review et de faire les plans et de faire le montage et faire le machin comme ça. Et c'est pour ça que moi, les reviews, je les étale en 3 jours maintenant. Un premier, je fais le script et tout, je teste le produit, je fais le script. Le lendemain, je fais les plans. Des fois même la voix ou pas trop, et le surlendemain je fais le montage, la voix, le montage ou que le montage. Mais moi ça me prend quand même 3 jours, et c'est quand même devenu mon métier puisque ça fait partie aujourd'hui d'une de mes sources de revenus. Mais imaginons que tu as un travail, que tu aies un travail, en plus tu as un travail, tu rentres le soir, tu es crevé et tout, pour peu que tu aies une famille, ah, c'est horrible, ah, pour le chat, le chien, la femme, les gamins et tout. Donc on peut comprendre que le soir t'as pas envie de passer du temps à faire une review comme ça tout seul, t'as envie de te détendre. Et le week-end souvent pareil, hein, avec le Covid, le climat ambiant et tout, on peut comprendre que les gens qui ont un travail au début, c'est sympa de faire des reviews de produits et tout, puis au bout d'un moment bah ça gonfle quoi, pas que ça a foutre et tout, puis bon les produits sont pas toujours d'une motivation exceptionnelle. Puis on revient un petit peu au point de ces youtubeurs qui arnaquent les marques, puisque alors vous, si par exemple vous commandez un truc sur chez une marque ou un vendeur et que vous ne le recevez pas, vous allez m'écrire dans les commentaires, c'est de l'arnaque, ils répondent pas, ils m'ont pas envoyé le produit. Ok, imaginons une marque qui envoie un produit à un youtubeur qui lui dit, je vais vous faire une review en échange de votre produit, quelle que soit la valeur du produit, entre par 10, 20, 30 balles des câbles à 50, 100 balles ou 200 balles, 200, 300 balles pour certains smartphones, puisqu'il y a quelques marques qui m'ont écrit qu'elles ont envoyé des téléphones et voilà, les mecs ont disparu. Puisque souvent, on se rend compte que les gens, et moi-même, des fois, on accepte des produits qui ne nous faisons pas kiffer. C'est-à-dire qu'on dit, ouais, le produit, il est pas mal, mais bon, quand on le reçoit, on dit, ouais, c'est pas si génial que ça et tout. Puis tu te dis, oh, va falloir que je fasse en plus une vidéo. Voilà, c'est long, ça va prendre du temps. En plus, tu sais très bien que les petits produits qu'on t'envoie gratuitement, généralement, c'est pas le genre de truc qui t'apporte une audience de ouf. Que toi, tu apportes une audience de ouf à la marque, tant mieux, mais que le produit soit le produit miracle et que ça va attirer plein de monde parce que tu vas tester un hub ou une batterie externe, bah des fois oui, il y a miracle, hein. Moi j'appelle de la balance Huawei qu'on a testé et qu'on a fait en anglais, qui a super bien marché, qui a fait des dizaines de milliers de vues, alors que bon, elle est sur ma chaîne, ma troisième chaîne en anglais où il y a très peu de vidéos et tout, mais voilà, il y a des fois des miracles comme ça, mais c'est très très rare encore une fois. Donc, tu te dis, bah, ouais, voilà, le produit, il est pas bien. Et c'est là, en fait, où les mecs, bon, s'ils ont un travail, bah, ils font pas le boulot. Ils ont un travail, puis ils disent, ouais, ça, j'ai pas trop envie de le faire. Puis ils disent, ouais, c'est bon, je le garde. C'est pas terrible et tout, en fait. Mais qui regrette de l'avoir pris, parce que le produit est pas si génial que ça. Puis faire une review et tout, ça prend beaucoup de temps. Alors après, il faut du temps, encore une fois, de faire des reviews. Et il faut surtout de la motivation. Et il y en a qui ont trouvé le truc, ils se disent, bon, tu sais, ils écrivent aux mains, ils disent, ouais, mais bon, si vous pouviez me donner un petit billet, ça me motiverait, quoi, tu sais. T'en sais, genre 20-30 balles, pas beaucoup, mais 20-30 balles, c'est en fonction de ton audience, hein, tu monétises un petit peu. Et il y en a des mecs qui ont dit, allez, donnez-moi un petit billet. Alors les marques, bon, une fois qu'elles ont envoyé le produit, puis elles veulent quand même une review, elles se disent, bon, allez, c'est pas très cher, elles payent 20 ou 30 balles. Mais le problème, c'est que les mecs, ils font pas non plus. Après, je veux dire, c'est pas parce que t'as pris 20 ou 30 balles que tu vas être plus motivé pour faire la review d'un produit. Si le produit te fait pas kiffer, que t'as pas le temps, que t'es fatigué, que t'as un travail, ou etc., etc., donc tu fais pas le produit. Donc, il est là le problème, c'est que j'ai énormément de marques qui me font des retours comme quoi, alors j'en ai certaines qui m'ont demandé de contacter les youtubeurs, mais je vais pas commencer à m'amuser à ça, en me disant, ah, vous connaissez machin, il n'y a pas moyen de vous contacter parce qu'il a un produit et tout. C'est comme si je commençais à vous mettre une liste là, c'est rentrer un peu dans des problèmes en disant, ah, lui, là, oh là là, c'est encore... Ouais. Histoire de faire le carnage et tout, on en est plus là, hein. On ne marave que ceux qui ont besoin, là c'est pas notre problème, voilà. Donc les mecs, bon, après les marques les contactent, alors souvent là on voit que les marques ont un projet marketing qui est pas souvent très ambitieux, un budget qui est souvent un peu négatif, ils veulent souvent du gratuit en échange d'une review, ou alors payer pas cher et tout, avec des produits qui sont peut-être pas ouf, et on comprend qu'il y a beaucoup beaucoup de youtubeurs qui acceptent les produits en disant, ah j'en ai, ça va me motiver, ça va être bien pour la chaîne, mais encore une fois, les petits produits, il y en a
tellement maintenant sur YouTube que les produits sont pas tous très bons pour la chaîne, hein, sauf si vous avez déjà une audience. C'est pas le produit qui va amener du monde, hein, c'est vraiment du monde. C'est vous qui allez amener du monde un petit peu à voir le produit. Et puis qui accepte des trucs, on le voit dans les hubs, les machins comme ça. Il y en a plein des marques. Là, on a eu une autre marque, je crois, c'est Novou, je peux quoi, qui nous avait envoyé un hub 4 en 1, ils nous ont envoyé le 12 en 1. Bon, bah, moi, ça va, j'ai du Mac, j'ai du machin, puis j'ai l'habitude, j'ai la mécanique et tout, donc ça fait partie du roulement, comme ça. Mais je comprends que beaucoup acceptent des produits, puis quand ils les reçoivent, ils ont pas envie de les faire, quoi. Ils ont pas envie de les faire, parce que c'est beaucoup de boulot, et ça va rien leur rapporter à eux, parce que le produit, ils l'ont déjà, que ça va pas leur rapporter d'audience, ça va pas leur rapporter d'argent. En affiliation, c'est très, très rare qu'on vende des volumes de ouf, hein. Il y a des miracles, tu sais, comme la caméra IMU, ou certains, par exemple, les montres qu'on a essayé, les montres avec aiguille et cela, des montres, tu sais, qu'on vraiment, on en vend beaucoup, ou même les Emilab et tout, il y a des produits, c'est tout de suite, ouah, c'est bien, et en affiliation, ça peut être intéressant, mais on se rend compte quand même au niveau intéressant de là à arriver à... Bon, sauf les aspirateurs, là, quand on vend les aspirateurs en affiliation, ça pique un peu à chaque fois, mais c'est rare, tu vois. Donc, on comprend que bah, pas mal de youtubeurs acceptent des produits de petites marques chinoises et tout, et puis après ils ont pas envie de le faire, ils gardent le produit, et surtout ils ignorent complètement la marque, et ils ne répondent plus aux emails en disant oh, on s'en fout, de toute façon on va se faire virer le mois prochain, et j'en aurai une autre, et c'est vraiment devenu un problème, puisque on le voit, les marques sont super réticentes maintenant, même avec Dougie, hein. Dougie, il a vraiment fallu, elle devait m'envoyer le V20, après elle me dit ouais mais en fait nanana, alors c'est gratuit en échange du produit en plus, c'est vraiment, tu par rapport, elle me dit ouais, faudrait signer un contrat 3 pages et tout. Je dis non, pas de contrat du tout, quoi. C'est pas machin. J'ai après, voilà, nous ça va. C'est que chez Dougie, elle a dû demander que bon, voilà, Dougie, on a une historique qui est un peu plus ou souvent avec des marques avec lesquelles on a déjà travaillé. On leur dit on a déjà travaillé ensemble, on a fait le travail et tout. Surtout que nous, en plus, quand on a le produit, moi je leur demande de payer à l'avance, quoi. C'est encore pire. C'est-à-dire que les mecs, ils sont pas chauds pour envoyer le produit, mais on comprend que les marques sont de plus en plus réticentes à envoyer des produits et tout. Alors après, c'est un à eux de choisir leur youtubeur, de regarder un petit peu la fréquence en fait de publication. Moi j'en dis, nous on publie 2 à 3 reviews par semaine. De la review, on en fait. Voilà, les produits à la queue leu, la semaine prochaine, il y en a 3. Hein, quand même 3 reviews. Lundi, j'ai le casque. Oh, j'ai le casque One Audio. Ah, Monitor 80. Oh, il est même pas sur le site, il est sorti juste sur Amazon. Oh, avec les petits coussinets en velours et tout, oh, un son super classe, il est trop trop bien, oh, t'as, par rapport, j'avais testé le 40 ou le 60 là, oh, le 80 il est bien, putain la vache, par contre il faut un ampli qui tabasse, sinon le son est pas très fort, mais oh, rien qu'un téléphone, vous allez voir, un très bon produit pour lundi. Mardi j'ai la grosse batterie externe Novou avec machin externe, et vendredi j'aurai les 3 montres, dont les 2 Pagani et l'autre qui ressemble à la Patek Philippe, voilà, ça sera les montres un peu de la semaine. J'ai reçu ça aussi là, alors on en parlera seulement la semaine prochaine, c'est un ampli Bluetooth. Regarde, t'as des prises audio derrière. Trop bien. C'est trop bien. T'as des prises audio gauche-droite. Hein. T'as une prise power machin. Donc t'as un espèce de transmo dégueulasse à mettre par terre avec un truc machin comme ça. Tu le mets derrière. Et tu mets soit USB type C, soit la prise jack, soit Bluetooth. Et dans ce cas, tu mets en Bluetooth sur téléphone et ça fait 2x30 watts. Ça doit être 2x30 watts max, pas des RMS quoi. 2x30 watts max. Et tu mets 2 enceintes et t'as un petit récepteur Bluetooth. Oh, trop bien. Trop bien. Je suis trop content. Ça, c'est vraiment le produit. Mais voilà, après, encore une fois, moi, je pense c'est pas facile pour les youtubeurs qui acceptent des produits qui leur font pas plaisir. Parce que bah, quand t'es youtubeur et qu'on te dit, ouais, on peut vous envoyer, je sais pas, un hub ou un câble. Tu te dis, ah, c'est déjà ça de gagner, tu sais, pour me lancer et tout. Mais en fait, non, encore une fois. Le but d'une review, c'est pas à toi que ça va apporter de l'audience, c'est pas parce que tu fais un câble que les gens vont venir sur ta chaîne et t'abonner, mais bien toi qui dois amener des gens à regarder la vidéo pour dans l'espoir de vendre le câble. Donc c'est toujours cette petite nuance qui est qui est assez difficile en fait, et c'est pour ça en fait, bah, on jette pas la pierre, mais que un deal, c'est un deal. Pour peu de professionnalisme que certains ont, c'est voilà, quand vous acceptez un produit, il faut faire la review. Ou alors, il faut négocier avec la marque. Nous, on a eu le cas avec l'enceinte de Vialet, machin, ou la review, bon, on leur a dit, ouais, on sait pas, on voulait la placer, on voulait faire un placement de produit avec et tout. Puis, ils voulaient pas. Après, on leur a dit, ouais, en cas, on fait un article. Ils disent, ouais, très bien, faites un article, une promo pour Amazon. De toute façon, elle est en fin de vie, l'enceinte. Ils n'arrivent pas à en vendre tant que ça et tout. Et puis voilà, après, il faut trouver un arrangement avec eux, mais pas ne pas leur répondre et leur dire, par en gros, comme dirait un C-Develop, il dit ne pas avoir de réponse, c'est une réponse en soi. C'est bon, vous l'avez celle-là? J'ai trouvé pas mal. J'ai trouvé pas mal. Donc, en gros, pas de réponse, c'est une réponse, quoi.
Voilà. Et voilà, voilà, voilà un peu le sujet des youtubeurs. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et je sais que on l'a vu, même on l'a vu avec le JT Geek, combien d'entre vous, d'ailleurs des gens qui ne m'aiment plus, parce qu'ils pensaient que j'allais les aider à planter sur YouTube et tout, alors que chacun sa merde. tu te lances, hein, après vous débrouillez, hein, faites votre vie. Hein. C'est pas la peine de me cracher dessus. Hein. Beaucoup se sont dit, ah ouais, bah moi aussi, je vais faire ma propre chaîne YouTube parce que je reçois des produits, je fais des vidéos, machin et tout. Et puis après, bah, quand beaucoup ont lancé des projets, après beaucoup ont abandonné, hein. C'est flagrant parce que c'est compliqué, ça prend le temps, la vie change, il y a un moment où tu as du temps, après t'en as plus et tout. Et après, bon, bah après, ne comptez pas non plus aussi sur les autres pour vous lancer, parce qu'après, encore une fois, c'est la vie, hein. On peut donner un coup de main, on dira, voilà, ah, il a une chaîne, machin et tout, mais après, voilà, quand vous faites le même truc que moi, on dit, ah, fait le même truc que moi, ils m'aident pas. Je dis, bah, hey, chacun sa merde, hein, chacun son gâteau, hein. On n'est pas chez maman. Hein. Partage pas la soupe, hein. Mais voilà, donc dites-moi un peu en commentaire ce que vous en pensez. Maintenant, pendant la demi-heure qui reste, je vais lire tous vos commentaires un par un. Je vais réagir à vos commentaires, vos suggestions, vos remarques et tout et tout. Voilà, ça me paraît pas mal. Et puis ça fait un petit sujet comme ça, ceux qui auront regardé uniquement pour le truc de YouTube. Il fallait, pour parler de ça, il fallait surtout parler du contexte. Voilà, des gens, après, je comprends, des mecs qui ont un travail, qui ont une vie, la vie change, qui acceptent des produits, puis après, les produits, ils sont pas, c'est décevant. Et c'est le même boulot, hein. C'est-à-dire que tu reçois des fois un produit pas très très cher et des fois un produit très très bien. C'est souvent autant de boulot et voilà, encore une fois, c'est tu travailles pour la marque gratuitement. Et encore plus, il y en a qui demandent des billets et qu'en plus, ils font pas le travail derrière. Parfois, quand t'as pas envie, t'as pas envie. C'est pas un petit billet qui va faire le truc. Hein. Surtout quand t'as pris le billet à l'avance. Alors, plaisir d'offrir, joie de recevoir. Ça, c'est bien. Je te faisais... Alors, je le faisais sur mon ancienne chaîne, les présentations avec les mains. Bah oui, comme tout le monde. On a tous commencé par là. C'est plus facile. Filmer ses mains, moi-même, hein, regardez les vidéos que j'ai fait en 2007, mais je crois que même jusqu'à la Chine, hein, jusqu'en 2011 ou 2012, moi je crois que même en 2012, parce qu'on avait acheté une espèce de mallette qui s'ouvre avec de l'éclairage et tout, c'était les mains, et encore au début, j'avais pas encore compris, j'avais pas de script, j'étais un peu en freestyle et tout, enfin, j'avais une idée de ce que je voulais faire et tout, puis après il y avait un script, puis après, quand il y a le caméraman qui est venu, John, je crois qu'il s'appelait John, il me semble, ouais, il s'appelait John. Je m'en rappelle plus, je suis désolé mon pote, je crois que c'est John qui était venu et tout, et là il m'a dit ouais, faut faire des plans, il prend les synchronise, c'est pour ça qu'il faut faire le script, comme ça lui il fait le plan, et après moi je fais la voix, et après il fait le montage et tout, voilà, donc encore une fois, ça prend sur le tas, après c'est beaucoup plus facile maintenant, parce qu'il y a pas mal de, je parle pas de moi, mais il y a pas mal de tutos, de vidéos, qu'on vous explique comment faire et tout, donc tout de suite, t'as les bases et tout, et c'est pour ça que on l'a vu dès le début, des mecs qui sont lancés sur smartphone, c'était quasiment copier-coller sur le script qu'on faisait nous. Après, soit avec les mains, soit avec autre chose, mais tant qu'à faire, il dit, oh, c'est pas mal, et machin. Il criait pas le lapin, mais bon, on sentait que le cœur y était. Et puis voilà, faire le comme ça et tout. Mais encore une fois, c'est intéressant aussi, puisque ça permet d'éliminer un peu ce côté timidité, où tu dis, ah, je vais me filmer en caméra, les gens vont me juger, je sais pas trop. Là, tu filmes tes mains, tu lis ton script et tout, tu fais ton script, tu fais tes plans, puis ça t'évite de rester une demi-heure sur le déballage de la boîte. Et ça, c'est la boîte, et l'emballage. C'est chiant, ça. Voilà. La boîte, machin, tu fais tous tes machins comme ça, t'as une prise. Voilà, t'enlèves sa carte mémoire, tu la mets directement dans l'ordinateur, t'uploades sur YouTube, une vignette, une description. C'est beaucoup moins de travail, déjà. Après, c'est beaucoup moins sympathique et tout, mais encore une fois, c'est beaucoup moins de travail, ça permet vraiment d'enchaîner les vidéos à la queue le. Ou à la queue neuneu. Les mains ont la parole. Allez bien. Miaou de Lyon. Bonjour à Nono. Merci pour le bon d'achat Amazon. Ah, tu l'as reçu? J'ai pas eu de confirmation d'Amazon. Toi, comme quoi, bah écoute, je suis content que tu l'aies reçu. Le premier l'a reçu et m'a dit qu'il l'a reçu. Le deuxième, non. Après, normalement, Amazon devait me dire quand ils les ont... Amazon m'ont dit quand ils les ont envoyés. Après, voilà, c'est la vie. Bah, je suis content que tu l'aies reçu. Et on a un troisième bon qui sera en mise en jeu dimanche prochain. Avec plaisir. Chacun son caca. chacun son caca. C'est bien aussi, c'est pas mal. Oui, d'accord. Goldorak, il y a pas mal de monde qui font les mêmes choses sur YouTube. Toi, tu es différent des autres, tu n'as pas les mêmes matériels. Ouais, parce que matériaux, ça marchait pas. Oui, bah après, encore une fois, c'est aussi... comment dire? C'est aussi après la je vais pas dire la notoriété, mais la longévité, puis la relation avec les marques, qui nous permet d'avoir
plus de produits et d'avoir peut-être un peu plus le choix. On le voit, je sais plus si tu as testé, moi je suis une autre chaîne YouTube qui s'appelle Amazing Mac. J'aimais bien parce qu'il parlait des Mac et tout, mais bon, il prend tout, les aspirateurs et tout. Il a eu le truc, attention là, le Nomu là, tu sais, le truc qu'on a testé en live, tu sais, le capteur de pression et on posait le bras et ça te donnait la tension et tout. Il, souvent, voilà, et les produits Aquara, souvent on a les mêmes produits. Des fois, on a les produits un peu avant les autres parce qu'on a des formules un peu plus larges où on a quand même maintenant, on fait un peu de vues. Sur GLG Review, vous avez vu, on fait à peu près de vues. On fait environ 10 000, tu vois, 10, 15, 20, ça dépend, mais en moyenne, c'est dans les 10 000, tu vois. Donc, on commence à faire un peu de vue avec les 10 000, donc ça permet d'être beaucoup plus racolé par les marques. Puis après, il y a quand même pas mal de volume où on a beaucoup de produits, où les marques arrivent, ah, c'est pas mal, tout. J'en ai plein en cours, mais tout n'aboutit pas, malheureusement. C'est qu'il y en a plein qui veulent plein de produits divers et variés, puis de temps en temps, on arrive à avoir des produits qui sont pas mal. Après, le truc, c'est de les faire raquer. Il y a pas mal qui veulent pas raquer, elles veulent pas payer. Maintenant, bon, j'ai tellement de demandes que maintenant ils veulent pas payer, c'est non quoi. À part certains produits qui met. Mais bon, comme prenez la tablette AldoCube qu'on a déballée je sais plus quand là, cette tablette incroyable Windows et tout, c'est un projet Indiegogo, il est toujours pas abouti le projet. Toujours pas de lien, toujours pas de machin et tout. Donc la tablette, elle est là. On ne sait même pas si elle va sortir. Ça se trouve, ils vont directement la commercialiser et tout. Enfin, voilà, il y a des produits qui aboutissent pas. Puis il y a des produits qui aboutissent. Puis il y a des marques qui nous envoient, qui n'envoient pas. Puis des marques qui nous oublient. Puis après, les produits, ils arrivent et tout. Mais voilà. Doogie, d'ailleurs, elle m'a écrit pour le V20. Parce que le V20 va valoir au moins 400 balles, je crois. 400 ou 500 balles. Donc là, je dis, bon, voilà, je peux le prendre gratos. Le produit vaut de l'argent. C'est un Doogie, c'est pas mal. Et elle m'a écrit, elle me dit, oh, on a aussi une montre, on a une jolie montre incroyable. Montre de merde à 40 balles encore, hein. Montre Doogie ronde, tu sais, montre dégueulasse en plus. Ouais, on a ça aussi, genre là, par contre, faut payer, madame. Hein. Moi, je veux bien faire une montre, mais je sais que sciemment, on va faire une montre et tout. Et d'un autre côté, on est Imilable et Youpin, pareil, qui veulent faire de la montre, leur nouvelle montre, la X1, la machin comme ça. Je dis, non, si vous ne donnez pas, vous payez pas, on les fait pas. Les montres ont rien de révolutionnaire, quoi. Au pire, le mec sort une montre, ah, mais la montre vaut 50 balles, mais alors la montre, allez hop, c'est une Weefing, comme j'aimerais bien, une Weefing trop la classe machin, mais à 50 balles. D'ailleurs, on l'a fait avec une autre marque, vous rappelez? Et ben là, on a fait gratos parce que là, la montre, elle avait vraiment un gros potentiel. Et je sais pas combien vous êtes. On en a, mais le premier jour, quand on l'a mis, on en a vendu 50. Le premier jour, puisque les codes promo, elle en avait mis 50 et on a tout défoncé. Elle était à 32 euros quelque chose sur Banggood, tout, on a tout défoncé. Même elle me dit, ah, mais non, on pensait pas que vous allez en faire autant. Et le code avait complètement été explosé et tout. Il y a des produits comme ça où tu le vois, tu dis, ah putain, c'est bien. L'ampli là, normalement, je vais avoir des enceintes parce que j'ai un autre deal avec une autre marque pour avoir des enceintes. Je vais avoir le produit comme ça, c'est-à-dire que n'importe quelle enceinte, tu mets ça dessus. Bluetooth, tu peux envoyer de la musique sur les enceintes. On regardera au niveau des volumes, l'auxiliaire et le jack. Moi, je trouve ça génial. Après, le son va... On verra. Moi, je pense que le son va pas être ouf, mais si le son est correct, ça fait quand même... Tu te retrouves... N'importe quelle enceinte que tu as chez toi d'une bien Shinify, tu sais que tu mets ça dessus, tu te retrouves avec une enceinte Bluetooth. On n'a pas tous des Shinify Bluetooth. Là, je veux dire, pour te mettre ce truc, c'est trop bien. C'est trop bien. Ça, c'est vraiment le produit. Je me dis, ah, trop bien. Je sais que je m'emballe, mais c'est mon petit côté geek. J'ai reçu, j'ai acheté, j'ai reçu à nouveau. D'accord, tout va bien. Merci Marc. Bah, si on a reçu deux, tant mieux. Moi, moi, j'ai signé, à la base, avec eux, j'ai signé que pour un. Après, si t'en as envoyé deux, tant mieux. En passant, j'ai une news pour toi. Mais ce n'est pas du smartphone. Eh ben, écoute, je vois que tu m'as écrit sur Line, c'est bien. J'aime bien ta cigoule. Maintenant, ça me travaille le cigoule. les deux cigoules sont incroyables. Alors aujourd'hui, j'ai une autre marque qui ressemble à Chopin. Mais les deux cigoules avec réserve de marche, moi, me rendent dingo. La très belle qui valait 100, qui est en promo à 180, et nous on avait quand même vachement moins cher, elle est pas mal aussi, c'est une vraie cigoule et tout, mais celle qui est de l'armée, l'Air Force et tout comme ça, elle est trop belle avec la réserve de marche, la trotteuse en bas et tout, pour 80 balles. Waouh, je vous l'ai mis sur lesmagouilles.com, hein, si vous voulez sur le blog, elle est atomique cette montre, j'ai mis le bracelet NATO et tout. Oh là 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 là. Et normalement, il y aura avec celle-là, il y aura là. Attends. Oh putain, absolument pas que j'enlève les boîtes comme ça, elles tiennent tout en équilibre. Et il y aura celle-là. Alors, c'est bien pour vous donner que ça fait partie du groupe Pagani Design, parce qu'ils me l'ont envoyé dans une boîte comme ça. C'est une baignard. Voilà. C'est une baignard, et dedans, pareil, c'est du Cigoule. Le pas cher, l'équivalent du NR35 ou du Miyota. Mais c'est du. Voilà. Et ça fera trois montres cigoules.
au Seagull Inside, puisque la première sera une vraie Seagull, c'était un peu le but, c'est la première, la plus chère, sera une vraie Seagull de la marque tout originale. La deuxième, ça sera une montre hommage Air Force 1963, ça veut dire que c'est une montre d'une autre marque, mais à l'intérieur, ils ont pris le mécanisme Seagull avec la réserve de marche, pour 80 balles. Putain, c'est quand même pas mal. Et la troisième, ça sera la baignard, qui là est complètement en montre hommage, ça doit être la contrefaçon d'une autre grande montre, mais boîtier, marque, mais par contre, il y a par contre là le mécanisme Seagull dedans, alors que c'est juste marqué sur la fiche technique. Voilà. Mais voilà, et là, 50 balles. 50 balles la baignard avec mouvement Seagull pas cher, mais mouvement Seagull quand même. Voilà. Donc si ça te travaille le Seagullon, et ben sache que. Alors ça c'est pour le mois de février. Parce que normalement janvier, je finis les trois là. J'ai deux Pagani et l'autre. Et après, ça sera le mois Seagull. Le mois Seagull. Alors, tu vas réouvrir le Geek Mario YouTubeur. Non. Non, ils ont qu'à tous aller se faire. non, parce que les retours n'étaient pas là. Non, puisque personne ne voulait le faire. Personne ne voulait faire la démarche de... C'était trop de travail. C'est trop de travail. Ça apporte pas beaucoup de vues. Hein. Les vidéos font entre 100 et 150 vues en moyenne, sauf certaines vidéos qui... Notamment, il y en a un qui a mis une vidéo sur le... qui a changé l'heure de la Casio. Je peux dire, à chaque fois qu'on passe de l'heure été-hiver, la vidéo, elle explose au niveau du ref. Donc, malheureusement, non, parce que personne ne voulait le faire. Et tous les YouTubers que je connaissais, en fait, ne l'ont... devaient le faire en disant... Ah, c'est bien, c'est sympa. Et puis après, ils se sont rendus compte que comme le site était récent, ils allaient m'apporter plus de trafic que j'allais leur en apporter. Donc, tout le monde m'a snobé. Voilà. La flemme des youtubeurs. Ils n'ont pas arnaqué les marques, mais voilà. Donc, après, gageons que si le geek.tv, à chaque fois que tu mettais une vidéo dessus, elle faisait 1000 vues, je peux dire que là, tout le monde allait toquer à la porte en disant « Hey, il n'y a pas moyen de mettre ma vidéo dessus !» Non, on l'a fait au début, personne ne l'a fait, ou on demandait de mettre un lien en retour, tout le monde s'en battait les couilles, très très peu l'ont fait. Ceux qui l'ont fait, bah merci, mais après, pour tous ceux qui m'ont snobé et qui n'ont pas voulu prendre la peine de le faire, malheureusement, maintenant, le geek.tv, c'est mes vidéos, et les vidéos que je regarde sur YouTube, qui sont quelque part beaucoup plus bankable que pas mal de vidéos, de petites vidéos YouTube. Donc voilà, donc maintenant, le geek.tv, ça reste ça. J'étais en deal avec les malgaches pendant un moment pour essayer de faire un site, genre acheter les vues et tout, puisque nous, dans le système, vous avez vu, quand vous regardez une vidéo sur le geek.tv, vous avez une autre vidéo en pré-roll. Ça veut dire que vous mettez une vidéo en voir la suite, quoi. Ça veut dire que quand vous regardez une vidéo logique.tv, vous trouvez une autre vidéo qui est mise en avant dans le système. Ça veut dire qu'en fait, il y a double vue. Il y a une vidéo qui fait plus de vues par rapport à la deuxième. Donc quasiment pour chaque vue, les vues comptent double. Voilà. Et il y avait possibilité de booster tout ça au niveau assez intéressant. Pas excessivement cher en plus, je crois. On était au 1000, on était à 5 ou 6 euros les 1000, je crois. C'était pas excessivement cher et ça permettait de ceux qui veulent mettre un petit coup de boost, encore une fois. Alors c'est de la vue pré-roll ou malgache, tu vois, mais voilà. Donc du coup, non, le projet est resté comme ça. Ça faisait partie des idées comme ça que j'avais pour relancer un peu, pour faire plusieurs business et tout. Puis en fait, voilà, aujourd'hui avec les reviews, on a assez de demandes. Pour pouvoir assurer, je veux dire, il en faudrait au moins 5 à 6 par mois pour que être correct, à plat. Tu vois, entre 5 et 6 reviews par mois, on est à plat. Bon, bah là, on en est à 2 par semaine. Ce mois-ci, on devrait en faire 8 ou 10. Donc, on est pas mal. J'ai fini la vidéo de IVC VPN ce matin. J'ai eu beaucoup de mal à trouver un sujet pour IVC VPN parce qu'il a que des sujets nuls et qu'on a déjà fait. Donc, j'en ai quand même réussi à trouver un nouveau sujet, bien évidemment, qui sera lié au Prince de Bel-Air. Oui, parce qu'il y a une nouvelle série, Le Prince de Bel-Air, qui va sortir, coproduit par Will Smith et tout, qui sera en exclusivité sur Peacock TV. Peacock TV, chaîne de streaming américaine, bien évidemment. Donc, pour aller en américain, tu peux regarder Peacock TV, il y a plein de vidéos gratuites, et tu peux l'obsé de prendre des abonnements. Mais pour ça, il te faut un VPN. Bim, badaboum, pirouette, yakaouette, voilà. Tu vois venir un peu voilà. Donc, j'ai réussi à te faire une vidéo avec ça ce matin. Il était content. Bien, elle est bien, on la mettait quand ce week-end, parce que vendredi, on a le Ulefone, et donc, du coup, ce week-end, on aura encore une vidéo IVC VPN. Le petit client du mois. IVC VPN, c'est le petit client tous les mois. Il me fait mon petit billet, donc c'est pas les vidéos qui m'emballent le plus, mais elles sont pas très compliquées à faire. Et en même temps, voilà, je prends mon billet. One Audio aussi, quasiment nouveau casque, nouveau truc qui arrive et tout. Imu, apparemment, elle m'aime bien aussi. Elle aimerait bien qu'on fasse comme ça. Voilà, on a pas mal de marques qui, maintenant, à cause
des youtubeurs auxquels ils envoient les produits qui les snob, donc déjà ils sont un peu dégoûtés les meufs, et elles se disent bon bah au moins lui on paye mais il bosse. Au moins on paye mais lui c'est fait en temps et en heure, moi il y a une date c'est une date, il y a la publication sur JT Geek, reproduit sur legeek.tv, donc aujourd'hui malgré tout tous ces problèmes de youtubeurs sont bénéfiques pour d'autres youtubeurs, ceux qui sont sérieux comme moi. J'aime l'enceinte que tu m'as fait acheter sur AliExpress. Grâce à toi, j'ai pu virer ma vieille chenille. Alors, il faudra me dire laquelle, parce que là, je ne m'appelle plus. Mes Miyota. Oula, ouais, attends, c'est quoi ça? Mes Miyota est plus précise que les mouvements Seiko. Pas beaucoup plus, hein. Je rappelle Miyota Citizen, Seiko avec les mouvements Tiny. Pas beaucoup plus, hein. Il y a une marge de quelques secondes par jour et tout. Pas trop. Dans les entrées de gamme comme ça, dans les 82-15 et tout, c'est kiff-kiff, hein. Il n'y a pas de grosse différence. Au pire, j'ai acheté un testeur de pulsation de montre automatique là-bas. Un jour, on fera les tests et vous verrez que dans les entrées de gamme comme ça, non, il n'y a pas de... Gno. Voilà. J'attends les montres connectées. Bah écoute, je sais pas. Peut-être Imilab et... on avait pas mal de trucs. J'ai pas mal de contacts. Mais les meufs sont un peu casse-couilles. Elles sont un peu casse-couilles. Après, quand j'en dis qu'il faut payer d'avance. Hein, mais non, c'est tellement fait niquer déjà et tout. Bah alors, profite, c'est gratuit. Tu fais niquer gratuitement. T'as niqué contre une montre. Hein, t'as pas me faire niquer contre une montre. Hein, un sac, le 8 ans, d'accord. Mais donc, elles ont un peu de mal. Voilà, on dit, oh, faut payer hein, d'avance en plus. Déjà, pour envoyer la montre, il faut payer en plus, payer d'avance. Les meufs, elles sont pas. Elles ont un peu peur, tu vois. Mais bon, après, voilà, j'en dis, tu voulais pas, c'est pas grave, hein, d'autres le font très bien. Chelin, ne prends Wi-Fi, c'est cher pour ce que c'est. Alors, attends. J'attends les montres. J'achète la nouvelle montre pour ma femme, va me priver de croquettes. Oh, les petites croquettes. J'hésite entre Amazfing ou Galaxy. Alors malheureusement, j'ai pas très de connaissances entre les montres connectées et toutes celles que j'ai. Ouh, 25 en ligne là, il y a un peu de monde. Toutes les montres connectées que j'ai eues, j'ai jamais eu trop de kiff. Et tu vois, je suis revenu belle montre et Mi Band 6, dont j'ai cassé le bracelet. Il s'est biodégradé le bracelet au bout d'un moment. J'ai acheté les trois bracelets, il y a un Xiaomi Store au Terminal 21. Là, j'ai acheté trois bracelets, j'ai pris le bleu. Très bien, c'est reparti pour l'aventure. C'est reparti mon kiki. Peacock. Ouais. C'est très peu connu, Peacock. Et j'ai trouvé... Parce qu'il faut que je trouve des trucs pour... Et l'autre, il me donne rien, là. Il me donne rien. Mais si, il me fait une vidéo. J'ai le temps, mais tous les mois, on peut faire une vidéo tous les mois. Alors. Là, il y a eu la promo du 11 novembre. Après, il y a la promo du Black Friday. Après, il y a la promo de Noël. Là, c'est la promo de la nouvelle année. Mais c'est la même promo à chaque fois. Et j'ai trouvé un truc, un site australien aussi. Ça s'appelle eView, je crois. eView, ouais, un I, un V, I, U, je crois. eView, c'est pareil, une plateforme de streaming australien. Donc, si vous vous inscrivez avec un VPN en Australie, bien évidemment, j'arrive ici, vous avez droit à pas mal de trucs gratuits, comme ça. Et après, évidemment, il y a possibilité de prendre des trucs de paiement et tout, mais ça fait partie du groupe ABC et tout. Enfin, c'est un truc assez sympa. Et c'est spécialisé sur l'Australie. Donc, il y a plein de contenus exclusifs à l'Australie et tout. Voilà. Après, le problème, c'est qu'il parle australien. Alors, je sais pas si. Bon, anglais, d'accord. Bon, point. Ah, je t'avoue, t'es sur l'australien, tu t'es posé la question. Il parle australien, c'est vrai? Ah merde, et ça ressemble à quoi? Bah, de l'anglais. Écoute. Première fois d'un spectateur. Eh ben, écoute, bonjour à Takoro Design. Salut, mon bon Greg. Tu es un beau gosse, on n'en est plus là. À un moment, je vais finir par prendre IVC, mais. C'est le but. C'est le but. C'est ce qu'ils aimeraient bien. Hein. C'est ce qu'ils aimeraient bien, MCPN. Bah, tous les mois, hein, t'as là, il m'écrit, il me dit, on peut. Et en fait, il a le même problème. Il a le même problème que tout le monde, en fait, MCPN. C'est qu'il n'a pas un budget de ouf au niveau des vidéos. Là, on est d'accord. Et que quand il contacte les youtubeurs français, soit les mecs veulent pas le faire, parce que c'est pas du tout leur délire, et que voilà, tout le monde rêve de. D'autres VPN, donc ils veulent pas le faire, ou alors ils veulent prendre un gros billet, soit ils veulent prendre un très gros billet, ah, si je le fais, ça va être que c'est temps, et la mec, il a pas le budget, soit ils trouvent des petits youtubeurs qui, bon, malheureusement, ne peuvent pas montrer patte blanche, mais on leur prendrait pas trop cher, puis les mecs flippent un peu, parce qu'ils ont certainement eu demandé à des mecs qui faisaient pas, et on en arrive à un moment, encore une fois, cette situation est aussi bénéfique, pour les gens qui sont là depuis longtemps, et qui sont sérieux, voilà. Juste pour... Voilà. Amesfit.
Tu es un grand bosseur. Je suis, oui, après ça, sans vouloir me la péter, je suis un acharné du truc. Hein. J'en ai crevé plus d'un à bosser avec moi. J'en ai fatigué plus d'un. Non, c'est un rythme. C'est pas trop le problème de YouTube. C'est surtout le problème de l'auto-entrepreneur ou de l'entrepreneur tout court ou du chef de société. C'est que si tu ne débats pas et que tu... Surtout maintenant avec l'Internet, et je pense que c'est un des leitmotivs aujourd'hui de l'Internet, si tu ne travailles pas sur 3 ou 4 projets en même temps, il y a de fortes chances que, comme on dit, tes œufs dans le même panier, si tu travailles que sur un truc, il y a de fortes chances que ça se casse la gueule. Soit tu as trouvé le bon créneau et tu es un YouTuber avec, je sais pas, 200, 300 000 abonnés, et dans ce cas... du client, du machin, c'est bien. Mais soit t'as pas ça et pendant un moment, c'était JT Geek qui amenait du monde à la chaîne YouTube. Pendant longtemps, ça a été ça. Et puis bah maintenant, c'est vraiment la chaîne YouTube qui apporte du monde au trafic au JT Geek. Le business a complètement changé. Hein, les codes promo avec l'affiliation, ça s'est complètement cassé la gueule et tout pour nous. Donc il faut vraiment essayer de travailler sur plusieurs choses en même temps. Et malheureusement, le fait de travailler sur plusieurs choses en même temps, bah, ça prend. Voilà, il faut faire ça tout le temps. Et ceux qui ont bossé avec moi ont vu, c'est que c'est tout le temps. C'est tout le temps. Alors bien sûr, il y a des moments dilettants, tu peux aller boire un café et tout, mais c'est matin, midi, soir, les mails, le matin, le truc, et le samedi, le dimanche, tout. C'est tout le temps en train de faire des trucs, et là, on est en train de relancer Skyphone pour essayer de faire un code promo tous les jours pour faire beaucoup plus de SEO, parce que, évidemment, faire code promo de machin, il y a des jours où il y a des pics, un petit peu legeek.tv, un petit peu JT Geek, et il y a pas mal de noms de domaines que je renouvelle même pas, parce que ça m'intéresse plus, tu vois, il faut essayer de trouver qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qu'on pourrait faire, et Twitch, ça fait partie des projets, en disant, ah, mais on n'avait pas de corde à Twitch, et on pourrait laisser lancer un truc, on a quand même 234 followers, alors pour toi, c'est peut-être rien, mais pour moi, ça veut dire beaucoup, c'est que, bah, 234, vous êtes quand même 28 en ligne, on a vu que dimanche, on a fait un petit pic à 48, et certainement, ce dimanche-là, avec les 3 cadeaux, on fera peut-être autant de followers et tout, et... Faut essayer. Après, j'ai plein de casseroles. Hein. Il y a plein de trucs que j'ai fait que ça n'a pas marché. Hein. on pourrait les trouver facilement. Hein. Il y a plein de projets que j'ai fait où je me suis vautré. Mais encore une fois, il vaut mieux avoir des remords que des regrets. Hein. Genre, vaut mieux avoir des remords. Genre, j'ai essayé, ça n'a pas marché, que de me dire, ah, si je l'avais fait, peut-être que pas. On entend que NordVPN arrive. J'aime pas IVC, trop lent chez moi. Ils n'ont pas WildGuard. Oui, mais parce que toi, tu es un petit con. Mais tous les autres, ils sont très contents. Et comme je l'ai dit dans la vidéo, c'est pas le meilleur, c'est la meilleure offre. Pour 1,90€, très bien. Marche très bien chez moi. Je peux regarder. J'ai encore fait une petite blague avec le feu de l'amour. Hein. Je vous verrai la vidéo samedi ou dimanche, je sais pas. Je veux voir. Peut-être le téléphone, je le mettrai demain. Non, demain, c'est la vidéo de ça. Le téléphone vendredi, il va si dimanche. Très bien. Ça t'y va si bien. Ah ouais, ça t'y va si bien. Ah ouais, elle est bien. Elle est pas mal. Je la valide. Bonjour. J'ai un mot de mon papa pour ton retard. Ben, c'est quoi ton mot? C'est quoi ton excuse? C'est quoi ton excuse? Fais-nous rire. On verra si elle est viable. On fera un vote. Elles ont pas froid aux yeux. Je sais pas où il en était. Merci à Gif pour ce joli petit chat. Je rappelle tous ceux qui... Vous avez le droit à des petits émojis de petits chats. Peacock, j'utilise pour regarder la WWE quand le World Network fait les siennes. Ah, aussi, ouais, c'est vrai. Il y a pas mal de trucs hein, sur Peacock. Et leur offre gratuite, elle est pas dégueu hein, quand même. Hein. Elle est assez intéressante. Donc, encore une fois, il y a pas mal de. Et puis, ils ont quand même voilà, produit le Prince de Bel Air. Quoi. Enfin, ça s'appelle Bel Air dans la nouvelle version. C'est pour ça. Je l'ai placé discrètement. Je me suis dit, voilà, ce sera mon petit sujet ici, VPN. Eh bien, je trouve quelque chose. Peacock de la famille de Hancock, le super héros, ouais, c'est son cousin. Oui, c'est fait par Will Smith. En même temps, ça marche hein, avec Hancock. Les Australiens, c'est la Canadien anglais. Non, ça je sais pas. Tabarnak. Québécois, au moins, on aurait un peu de français. Bonjour Adam. Oh, merci pour les diamants. Sont-ils éternels? Oh, merci pour ces deux petits diamants. Alors, ça n'a pas changé en haut, ça fait juste... c'est toujours moi le roi du stream, hein. C'est toujours pas toi. Voilà, mais merci pour les diamants, Koum, ça fait plaisir. Quand ils auront RC ce que tu as labouré, ils pourront la ramener.
C'est plus facile de critiquer en disant mais il y en a beaucoup hein, qui sont arrivés en disant ouais mais lui c'est de la merde, nous on va faire un truc bien, on n'est pas des vendus comme lui, on va faire puis au bout de compte c'est pire. C'est pire, ils ont sombré beaucoup plus vite du côté obscur de la force qu'ils ne l'auraient imaginé. Puisqu'après, au bout d'un moment, il y a le business model qui rentre en compte et qui après, t'as vite fait, si tu veux en vivre et gagner de l'argent, voilà. C'est, t'y passes du temps, t'as envie d'avoir un retour sur investissement. Alors quand pendant un moment, il y avait beaucoup de marques chinoises, ça envoyait du téléphone à qui en voulait, donc bon, les mecs avaient poussé de les revendre au moitié prix ou, tu sais, ils faisaient un jeu, ils les vendaient moitié prix et tout. Ça a été... On l'a fait, ça, je crois. Et voilà, donc après... Mais après, là, il n'y a plus de téléphone, il n'y a plus rien et tout. Et les produits, c'est pas ouf, quoi. Vraiment, là, un petit peu de regain avec les aspirateurs, là, mais dans l'eau, il n'y a pas beaucoup de produits trop bien, trop cool, quoi. Où tu te dis, waouh, ouais, ce produit-là, je vais me faire au moins 100 balles à la revente, quoi, tu vois. Là, maintenant, ça commence à devenir tendu. Bonsoir à 42 GIF, bonsoir. c'est la blague du terroir. Moi, je me signais mes mots. Parole de chat. D'accord, ok. Les affaires, c'est comme les filles. Faut pas craindre les râteaux. C'est exactement ça, ouais. Oui, ça va, elle est bien. Elle est bien. Elle est bien, cette petite blagounette. Je la valide. Pareil pour moi, le meilleur réalité prix, c'est IVC. C'est ça, encore une fois, c'est pour 10 appareils avec le VPN, l'upset download, les chaînes directement dessus. Et on verra que sur la chaîne, je n'ai pas mis à jour depuis un petit moment, mais il y a pas mal de nouvelles chaînes, dont BFM TV, France Télévisions, TF1 et Arte. Voilà. On me dit, oui, mais moi je suis en France et tout. Bah, tu n'es pas en France. Que tu vas regarder les feux de l'amour, ben là, t'es bien content. T'as loupé les feux de l'amour, tu vas regarder dessus, voilà, t'es bien content. Et puis, je sais plus que j'ai vu passer une vidéo de Notech là, tu sais, genre, parce qu'ils mettent que des trucs putaclic sur YouTube, comme quoi Molotov allait fermer. Bon. J'ai même pas regardé. Elle me motivait. Je crois que c'est sa copine, sa femme, je sais plus qui l'a fait. Elle me motivait tellement pas à regarder la vidéo que même avec tel putaclic, pourtant ça m'intéressait ce sujet, même j'ai même pas réussi à cliquer. Genre, non. Non, non. Voilà, donc je préférais pas savoir. T'imagines au niveau où on en est, c'est le mec qui cliquera pas. des nouvelles de Geekou. Du coup, ça va, il bouffe comme un petit cochon. J'achète des petits trucs de Sheba, là, tu sais, comme les compotes, là. Ben, il mange pas beaucoup, mais beaucoup de fois par jour. Donc là, ce matin, j'ai acheté une boîte, tu sais, comme un peu du Whiskas. J'en ai mis beaucoup et il a mis toute la journée à le manger et tout, mais il reprend l'appétit, là, c'est pas mal. Alors, le problème, c'est qu'on sent qu'il est quand même un peu en fin de vie, le pauvre chat. Mais il a quand même deux cancers en cours. Mais il est pas très vaillant. Mais il reprend du poil de la bête. Voilà, il reprend, il mange beaucoup et il reprend un peu du poil de la bête. Et quand je sors, il miaule. Alors je donne encore à manger. Et il meurt. Après, il dort. Il fait un peu le tour. Toi, j'ai une espèce de petite terrasse là où il peut faire le tour. Il navigue un peu plus. Il a repris du poil de la bête. Si c'est le cas, c'est le cas de le dire. Il a repris du poil de la bête et on sent que ça va mieux. On doit aller chez le véto demain parce qu'il avait dit après le 13. Alors comme il m'avait dit en rigolant, il me dit, j'en serai en vacances. Il me dit après le 13 s'il est encore vivant. Et ben, il est encore vivant. Il s'acharne, il veut de la vie, ce chat, il est encore vivant. Et donc demain, on l'emmènera, ça va, il respire rapidement, je trouve, mais on l'emmènera demain, et voilà, il nous dira, est-ce qu'on continue les antibiotiques, est-ce qu'il va mieux, on va le reposer déjà, et voilà, il a pris du poil de la bête. C'est un bon petit chat. Mourant, mais un bon petit chat. Le mieux, c'est de perdre son carnet de correspondance dans les prochaines semaines. Ok, donc là bien dit. Merci à Shadow pour tous les diamants. En coque et sa femme surtout. Ouais. Ouais, moi aussi, j'aimais bien, c'est vrai. Et là, toujours pas. Je sais pas comment ça se passe. Apparemment, non. Je sais pas pourquoi en haut, il me met toujours dans les. Attends, boss du stream. Je le mets pas. Ah, ça y est. Boss du stream. Pourquoi je suis toujours GLG vidéo HP. 2700, c'est peut-être le temps de vue, non? 2700 sur 6000, je sais pas pourquoi. Ah bah non, perdre mon carnet, ça m'arrivait chaque année. Bonjour tout le monde, un peu en retard. Eh ben écoute, bonjour, oh, Planet Shopping, mais dis donc, ça serait pas. Ça ressemble vachement à Effet Shopping. Ça serait pas un nouveau site en ligne trop bien? J'ai l'impression que c'est le même instigateur.
J'ai toujours ton mug, hein. Tous les matins, je pense à toi. Au bûcher. Au bûcher. Molotov ne va plus avoir le droit de diffuser la chaîne du groupe TF1. Ah, d'accord. Ouais, c'est pas drama non plus, ça va. Il manque que TF1. Ils n'ont pas perdu la meilleure. Hein. va pas fermer. C'est juste que TF1 et M6 vont passer payant en raison de leur de procès judiciaire. Ah, d'accord, ok. Ah, ben voilà. Pas besoin de regarder les. Pas besoin de cliquer sur les vidéos puis de cliquer de Notech pour regarder directement les lives du JT Geek. Voilà, t'auras toute l'info. Ils devront payer à la caisse. Ouais, bah, comme Molotov c'est gratuit, je pense qu'ils vont pas payer pour le mettre gratuit. Voilà. L'estomac du Geekou a dû rétrécir. Attention les chats. Attention les chats, c'est un 9 bits. Oui, par exemple, pendant une semaine, il a pas mangé du tout. On lui a mis des trucs, mais il voulait pas. Après, la deuxième semaine, on lui donnait à manger en liquide, tu sais, avec les seringues et tout. Donc oui, forcément, son estomac, il doit être rikikou. Voilà. Bon, cette blague sera coupée au montage. Tu vas lui donner du cannabis. Je vais lui faire un petit thé. Je lui ferai un petit thé demain. Un petit thé au cannabis, voilà. Les chaînes du groupe ne sont plus diffusées sur Molotov. Ah ok, les groupes M6 sont plus modernes. Hein, Goldorak. Si, mais tu dois t'abonner. D'accord. Seulement... Oh, qui s'est passé là? Mais qu'est-ce qui s'est passé là? Ah mais c'est Effet Shopping. C'était bien lui. C'est bien. C'est bien Effet Shopping. Ah bah non, ah, c'est pas Planet Shopping, c'est Effet Shopping qui vient nous faire un petit tipi. Il y a toujours le petit... Bon, quelle heure il est? Putain, il est déjà 23h. Je vous laisse encore 10 minutes, là. J'ai lu tous les commentaires, et après, on s'est... T'as pas lu ma comparaison des... Non, on s'en fout. Non, on s'en fout, c'est IVC VPN le meilleur. Après, NordVPN, c'est pas les mêmes prix, c'est pas les mêmes services. Dans la nerf. Perso, j'ai IPTV. Hein, c'est mal. C'est mal, parce qu'il y a des gens qui piratent derrière. Pareil. Une idée. Il peut plus diffuser le groupe M6 déjà. D'accord. Comme quoi, nos textes, c'est beaucoup de blabla pour quelques secondes d'info. Pas de commentaires. Pas de commentaires. Après, voilà, on a des affinités, on les a pas. Moi, je... Non. Non. Je dis non. Même là, j'avais envie de savoir et non. C'est vrai qu'en fait il reste pas beaucoup de trucs super intéressants. Ouais, c'est vrai que dans l'eau il reste que ces moments là. L'IVS sur l'intérieur en raison de l'ARCOM. L'ARCOM? L'ARC. Bah dis donc, bah oui, bah, après au bout d'un moment, il va falloir qu'ils arrêtent leurs conneries aussi. Hein. Shopping. Si si c'était moi, Effet Shopping, mais Planet Shopping, c'est mon site lol. Oui, mais j'ai bien compris. Ah, arrête, hein. Je te taquine, Planet Shopping. J'ai bien compris que c'était toi Effet Shopping. C'était une plaisanterie. Et j'ai vu, t'as rebondi, ressurgi d'un coup. Même à l'heure actuelle, c'est pas hyper légal, je pense. Non, je pense, ouais. Genre, ça va être, genre, IPTV, ça va être interdit. C'est-à-dire, des mecs qui ont tous les abonnements, qui les mettent sur un serveur pour les envoyer à d'autres et faire payer les abonnements. Oh, arrête, c'est pas légal. Mais non. Après, il fait ce qu'il font, chacun ce qu'il veut. L'ARCOM fait la fusion de Adopi et de la CSA. Ah bah dis donc, oui, comme ça évitera qu'il dépense de l'argent pour Adopi pour rien. Première fois sur le chat de Guanzu Hype. Nihon Shoga, Nihoma. Salut, tu penses quoi des vaccino-sceptiques? Vaccino-sceptiques, c'est quoi? Je découvre le terme vaccino-sceptique. Ah, attends, j'en ai vu une bonne à propos des frères Bogdanov. Je vous rappelle, les frères Bogdanov sont décédés l'un après l'autre. Bon, ils avaient quand même 72 ans. Ils étaient quand même partie des gens qui... une bonne chiasse, tu peux crever à 72 ans, tu vois. Donc bon, bref, ils sont morts à 72 ans. Et apparemment, du Covid. Alors, il y a deux clans qui s'affrontent. Il y a ceux qui disent... Les frères Bogdanov, ils savaient plein de trucs et ils ont toujours su que ce vaccin c'était de la merde, il fallait pas le prendre. Voilà, d'accord? Et après, tu as une autre équipe qui dit non, mais en fait, ils se sont sacrifiés parce qu'ils voulaient que les gens se vaccinent et ils voulaient prouver aux gens que s'ils ne vaccinent pas, eh ben, ils pouvaient mourir. Imagine le degré de conspirationniste entre les deux en disant ils sont pas vaccinés, ils sont morts. Ou ils sont morts parce qu'ils sont pas vaccinés, mais c'était pour dire aux gens que si vous vaccinez pas, vous allez mourir comme eux. Voilà. Si c'est ça les vaccinaux sceptiques, voilà, je sais pas quoi dire.
Oui, mon ancien serveur a fermé. Ok. C'est ceux qui ne veulent pas se faire vacciner. Une bonne chiasse. Bah oui, non mais attends, je veux dire, il arrive un âge, t'arrives un âge, une bonne chiasse, tu peux crever, hein. Je veux dire, à 72 ans aussi, voilà. En plus, ils avaient pareil, ils avaient d'autres problèmes que ça, quoi. C'est-à-dire, t'es pas non plus des mecs qui étaient dans un jardin bio, toi, depuis leur naissance. Voilà. Alors, ils ont dû en bouffer de la saucisse, mais voilà, pas de. Voilà. Bon, revenons. Alors du coup, qu'est-ce que je pense des. Je sais pas, écoute, moi j'étais pas chaud non plus pour me faire vacciner, je l'ai fait parce que je suis égoïste, et je me suis dit, en même temps, si, dans l'idée pour moi, j'avais quand même bien compris qu'on pouvait continuer à le choper, qu'on pouvait continuer à le garder, mais que en cas, si je le chopais, il n'y aura pas de forme grave. Et j'en ai vu quand même pas mal qui chiaient des rondins de bois, même des youtubeurs que je suis, qui ont chopé le Covid et qui ont passé un sale quart d'heure quand même, hein, qui étaient en bonne santé et que voilà, qui ont passé un mauvais moment. Donc je me suis dit, bon, alors, pire, on se fait vacciner, au moins, voilà, si je le chope, il n'y aura pas de forme grave et je vais en chier, mais peut-être moins que ceux que. Et les mecs, c'est appareil respiratoire et tout. Donc je me suis dit, pourquoi pas. Après, de là à me faire vacciner tous les 15 jours, je suis pas chaud, quoi. Là, moi, ça fait plus mois de septembre. Donc septembre, ça fait octobre, novembre, décembre, janvier. Ça fait 4 mois. En théorie, là, tout le monde branle sur Internet. Ah, c'est tous les 3 mois. Moi, je reste sur les 6 mois. La fois, ils ont dit c'était tous les 6 mois. 6 mois, ça fait au mois de mars. Me remettre une petite dose en fonction de ce que ça dose et tout, mais après, il faut pas non plus abuser à tous les 15 jours se faire injecter un machin que, quand même, on est quand même un peu d'accord que c'est un peu récent et tout, mais voilà, moi j'ai fait mes 2 doses, c'est très bien passé, j'ai pas eu mal au bras et tout, je me dis, si je le chope, eh ben, il y aura pas de forme grave, voilà, Omicron est en train d'arriver, je mets mon masque, je me lave les mains, je mets même mon masque maintenant, parce que le chat est dehors, et je mets même mon masque quand je vais voir le chat. Parce que comme je suis allergique au chat, j'arrête de prendre des cachets, ça m'a défoncé pendant une semaine, je mets mon masque P2 et je vais caresser le chat. Voilà, c'est pour l'anecdote. Chiasse mortelle, triste. Il en a chié, surtout sur la fin. Voilà, bon, je vous laisserai celle-là. Je sacrifie, faut arrêter les produits. C'est le thé. J'ai entendu ça dans une interview. C'est un des amis des Bogdanov qui a dit que, parce qu'il le connaissait très bien et tout. Moi, elles sont trop belles, les histoires. Moi, je dis, il faut regarder ça comme un divertissement. C'est-à-dire que les mecs, ouais. Mais j'ai bien aimé les deux théories. C'est les mecs qui sont allés chercher quand même bien. Ouais. Je dis, ouais. Après, qu'ils sont pas convaincus, je suis d'accord, mais qu'ils soient sacrifiés. Ah, j'ai trouvé l'histoire trop belle. C'est une histoire, les mecs. Ah, il y a moyen de faire une chaîne YouTube. C'est donc ça, mourir sur son trône. Le vaccin actuel est en test afin de voir s'il passera d'ici 2-3 ans. Ouais, on verra après. Parlez pas du vaccin. J'ai fait la mise à jour 5G, troisième dose, donc ce matin, j'ai mal au bras. Oui, mais tu captes mieux. Regarde ton téléphone. T'as gagné une barre. Parce que tout passe par. Quand t'es droitier, ils te disent une vaccine à gauche, comme ça tout passe et tout, et t'as une antenne beaucoup plus large. Regarde, je suis sûr que sur ton téléphone, t'as gagné une barre de réseau en 5G. Et plus la guerre des trônes, voilà. Premier qui tire la chatte a gagné. Oh, ça rebondit pas mal. Non, j'ai eu mal au bras juste une nuit. Bah écoutez, moi non, j'ai fait du Pfeiffer, j'ai eu, parce que là, elle t'enfonce ça dans le bras quand même, maman, là. Je la vois arriver, je lui ai mis tout ça, arrête. Voilà, j'ai eu mal comme si elle avait enfoncé tout ça dans le bras, mais pas plus que ça, c'est bien passé. Après, j'ai beaucoup de musc, ou du grusque, voilà. Mais du coup, tu t'es fait vacciner pour aller boire ton Perrier à 8 euros en terrasse, ou te protéger? Non, parce que moi j'habite en Thaïlande, moi, Coco, donc moi j'ai pas besoin d'en terrasse ici. Ici, ah non, parce que même la dernière loi, il y a eu une dernière loi qui est passée en Thaïlande, c'est uniquement dans les restaurants qui servaient de l'alcool, ils devaient te demander un test PCR, voilà, pour être sûr que. Ils se sont dit à la fin, ce qui était quand même le truc le plus malin, ils se sont dit après le jour de l'an, si vous voulez aller dans un endroit où on vend de l'alcool, il faut montrer un test PCR négatif.
qui est pas très compliqué. En même temps, vacciné, pas vacciné, on s'en bat les couilles. Voilà. Tu dis, t'es après le jour de l'an, tu fais un test PCR. Normalement, t'es pas trop con. Bah, t'as le Covid, tu restes chez toi, t'as pas le Covid, tu vas, je suis pas allé au restaurant. Le mec, il te demande, tu fais voir ton truc dans ton petit sac, là. J'ai pas le Covid. Bah, tout le monde est un peu rassuré. Tu l'as pas. Tu fais ça pendant 2 semaines. Et puis, voilà, ça rassure tout le monde. Et ben, j'ai fait, je me suis mis le truc dans le nez, j'ai fait mes balins, je suis pas enceinte. Et puis voilà, quoi. Après, j'ai mis ça dans mon sacoche. Personne me l'a jamais demandé, parce qu'en même temps, bah, je bois pas d'alcool. Et je traîne pas les endroits où on boit de l'alcool, puisqu'en même temps, les seuls endroits où il y a des clusters ici, c'est la Hawking Street et tous les bars à Belette. Oui, j'entends le loup, le renard et la belette. Voilà, c'est ça. Et ben voilà, c'est tout là, les endroits où les mecs, pas de masse, ça boit avec les meufs et tout. Donc là, oui, forcément, c'est des endroits aussi, il faut pas. C'est pas les périodes où faut tenter le diable. Moi, je reste à la maison, je fais mes courses, je bats dans moto. Je vais voir Jean, là, si vous avez vu les vidéos Instagram dimanche, qui habite vers Rayon. Je prends la moto, je mets mon mât, je me lave les mains, voilà, je nourris le chat. Je fais tout ce qu'il faut. ma troisième dose m'a couché, alors que les deux, j'ai rien eu. Ah ouais? Mais c'est, alors, c'est la Inis qu'il faut changer de marque. Donc, à faire, si tout le monde doit croquer, il paraît qu'il faut changer de marque pour la troisième. Vous me confirmerez ça ou pas? Ce homme m'a couché alors que j'ai rien eu. Passé de 450 à 700 en 5G. Ah bah tu vois, tu vois que le vaccin est efficace. ils m'ont mis Pfeiffer avec forfait Free Mobile. Free Mobile qui a fait une élocution d'ailleurs. C'est le genre de truc, tu vois, que je mettrais bien quand je voulais faire une espèce de petite daily, tu vois, un peu rapide comme ça, tu sais, juste avec un screenshot et tout. Et il y a eu une allocution du président de chez Free qui disait ouais, il a pas de fille cachée et tout. C'est très drôle et tout. Le mec qui se prend pas la tête alors que il pourrait. Elle est ta belette. Non, j'entends le loup, le renard et la belette. Bon, ainsi se termine ce JT du Geek. J'ai lu tous les commentaires. C'est exactement ça. J'ai lu tous les commentaires. Il est 23h10, donc ça fait déjà 1h10. Le live devait durer 1h, mais comme vous étiez chaud patate et qu'on a passé un bon moment ensemble et que vous aviez des bonnes questions, on a tout fait. On a fait le sujet, on a fait les questions, on a fait les remarques, on a parlé du Covid, on a parlé des Bogdanov, on a parlé du Primobile, qui n'a rien à voir. On a parlé du chat, voilà. Ça. On a eu des diamants éternels avec Shadow. On a eu 25 personnes en ligne, ce qui est quand même plutôt pas mal pour un mercredi soir. Et ça sera tout pour ce live du mercredi. Prochain enregistrement du JT du Geek, vendredi matin à 4h du matin. Donc là, j'imagine bien qu'il n'y aura pas de monde. Et encore, je suis assez surpris parce que même l'émission à 6h, on se rend compte qu'on commence à avoir de plus en plus de monde. Ça fait plaisir. Prochain live, samedi. Samedi, 10h du matin, on parlera des produits que j'ai reçus cette semaine. Voilà, tout est quanté, hein. J'ai quoi, j'ai de la montre, de l'onduleur, le boîtier là, et si je reçois des trucs, là, j'ai commandé une batterie pour mon onduleur, parce que j'ai un onduleur là, pas excessivement cher et tout, et la batterie était complètement flinguée, ça fait 3 ans que je l'ai, je crois, et la batterie était complètement sèche, quand il y avait une coupure de courant, tout s'éteignait. Il disait, voilà. Donc je commandais une batterie, donc peut-être on en parlera si je l'ai reçue. J'attends peut-être les enceintes que je devrais peut-être recevoir avant samedi, ce serait pas mal, et sinon, bien évidemment, je vous rappelle qu'on se retrouve pour un GLG par en live, dimanche à 16h. S'il y a un jour où il faut être là, c'est dimanche à 16h. Il y aura donc 3 cadeaux à gagner, c'est sûr. Après, j'attends juste le 3e, c'est pas encore défini ce que je vais vous faire gagner. Le premier, ce sera une caméra IP Wi-Fi motorisée 2,5K. Le deuxième, un bon d'achat Amazon ou un bon cadeau Amazon de 10€. Et le 3e, ça sera soit une batterie Veger, soit les lunettes King Severn. Voilà, par exemple, voilà. Je vous remercie tous d'être passés me voir. Merci à notre tipeur Effet Shopping qui m'a fait un petit Tipeee, ça fait plaisir. Merci à tous ceux qui ont fait des diamants. Merci à tous ceux qui se sont abonnés récemment. Alors, tous ceux qui m'ont followé récemment, vous pouvez prendre un abonnement en plus. Si vous avez un compte Amazon Prime, Shadow va vous copier ça. Si vous avez un compte Amazon Prime, vous pouvez éventuellement aussi vous abonner. Savoir que chaque fois que vous avez un compte Amazon Prime, eh ben, vous pouvez avoir droit à un abonnement Twitch gratuit. Pour ça, c'est compliqué. Shadow va vous copier ça, coller. Peut-être je peux le faire avant lui. Peut-être je peux être plus rapide. Ou pas. Ou pas. Oups. Attends. Tac. Vas-y. Marche ou pas? Ah, trop tard. Ah bah voilà, pas mal. Il était trop rapide. Voilà. Pour Amazon Prime, c'est un peu compliqué. Il faut aller dans le gaming Amazon, activer le compte gaming et ajouter son compte Twitch. Voilà, par exemple. Ça, vous pouvez un peu.
par exemple, eh ben, vous offrir un abonnement incroyable. Je, ça sera tout. Oula, j'ai eu la... Le chat a planté. Voilà. Ben, le chat a planté. Je te dis, il a planté. Voilà. Bon, ça sera tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de passer me voir. Ça m'a fait plaisir. Je souhaite à tous une bonne journée, un bon week-end. Non, une bonne semaine. Prenez soin de vous. Prenez soin de vos proches. Gardez le moral. Attends, je sais que je peux... Hop, hop. Ça a tout planté. J'ai voulu faire un copier-coller de... Et elle est revenue. C'est bon. Regarde, tout marche bien. Il est plus rapide que toi. Oui. Shadow, c'est plus rapide que toi. Allez, je vous remercie, passez me voir, ça m'a fait plaisir. C'est à tous une bonne soirée, une bonne journée. Prochain rendez-vous, mardi, vendredi, 4h du matin, samedi, 10h du matin. Et sinon, vendredi, 16h. Vendredi, 16 à 16h. Tu dois retenir que ça, eh ben, c'est ça. Allez, merci, passez me voir. Bonne journée à tous, bonne soirée. Franchement, je vous kiffe. Vendredi, bye bye.